là là, tout ce qu'il y a. Oh là là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, elles sont énormes. Ah oui, il y en a plein. Anne, quand elle arrive ici, elle vient se reposer. Elle vient se reposer, elle vient se remettre un petit peu, parce que dans ses tournées, toujours à droite, à gauche, elle vient un petit peu poser ses valises. Elle dort beaucoup, elle se repose, elle contemple la nature. Comme moi, je suis quelqu'un qui a toujours une grosse vaisselle, elle se met sur la table et puis elle me chante. Voilà, elle chante, ou je lui demande des fois de chanter des chansons, donc on chante le soir. Chez moi, c'est une cabane dans les bois, sans électricité. Ça change beaucoup au niveau aussi de l'énergie quoi, quand il n'y a pas d'électricité. Donc elle vient dans la petite cabane dans les bois, je fasse au contrefort pyrénéen, face à la forêt, dans les arbres, qui font 30-40 mètres de haut. Donc déjà, rien que d'arriver là, ça pose les valises. Même si on n'a pas besoin de les poser, ça les... Voilà, ça... Et voilà, et là c'est calme et c'est comme une décompression. Mais ça c'est pour tout le monde, même moi si je m'en vais, quand je reviens, ça me fait exactement ça. C'est... Ah. Anne, je l'ai rencontrée à travers ses chansons. Pendant 2 ans, dans ma cuisine, dans ma maison, dans mon lit, pour pas tomber folle, j'avais ces chansons qui m'accompagnaient. Et je suis partie au Québec et elle était au Québec à la maison où j'allais. Et là, je l'ai eue en direct, avec sa guitare. Voilà, et ah, c'était chouette ça. Ah, ça a été un moment extraordinaire. C'était comme un rêve dans ma cuisine de pouvoir la sentir dans, parce que je la connaissais vraiment qu'à travers ses chansons quoi, je connaissais pas du tout la femme que c'était. C'était comme un rêve dans ma cuisine de me dire ouais, mais ça je veux la sentir dans ses chansons quoi, je veux la voir et la sentir dans ses chansons, cette femme là quoi. C'était vraiment et voilà, et je l'ai vue, je l'ai rencontrée à Québec. Je l'ai vu à Québec. Après, je ne l'ai pas rencontré vraiment à Québec. Elle est venue 5 jours peut-être. Voilà. Et là, on est parti, on s'est vraiment rencontré là, on est parti dans une espèce de bulle là. Je m'en souviens. Où là, bon, on a beaucoup parlé des étoiles, du Nouveau Monde, même les mots du Nouveau Monde, enfin tout ce que pouvait être le Nouveau Monde quoi. Et à ce moment-là, c'était le début. Elle commençait à écrire hein, les chansons du Nouveau Monde. Les autres, c'était plus, ça touchait plus l'essence féminine. Et là, c'est l'humanité entière. Là, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'essence féminine ou l'essence masculine dans le Nouveau Monde. Et c'est comme une ouverture à une conscience, à une prise de conscience au-delà de nous des choses qui se passent. Quoi. Donc, ça ouvre à l'extérieur. Il y a quelque chose qui englobe. Et dans le Nouveau Monde, je sens l'humanité entière. J'appelle du fond des bois les petits enfants de la lune.